je vous retrouve pour une petite vidéo. Donc j'ai fait un échange avec une Dolienne. Donc c'est Yuki Pulip Shu. Alors moi c'était une wig blonde et elle contre l'outfit quasiment au complet de la Pulip Academy 2013. Parce que cet outfit je le voulais énormément pour Dia, étant donné qu'elle est ferriquée, enfin ça va bien avec l'outfit de la Akemi. Donc par contre elle n'a pas les chaussures et il manque les deux paires de guêtres. Et du coup à la place des deux paires de guêtres, elle m'a mis une paire de chaussures marron. Et moi bien sûr elle a reçu hier mon paquet avec les choses que je lui ai échangées. Donc moi je lui ai changé des vêtements. Et donc on se retrouve pour cette petite vidéo pour déballer tout simplement ce paquet de cet outfit quasiment au complet et de la paire de chaussures. Donc c'est parti. Donc je vais voir tout ça. Je mets la paire de ciseaux ici. Alors je vais lire le petit mot. Yuki Pulip. Voilà, je vais garder le petit mot. Alors je vais commencer par les chaussures, elles sont vraiment super belles. C'est des petites chaussures basses marron blanches. Je la mets sur le côté. Ensuite, oh bah je croyais qu'elle n'avait pas les chaussures. Je regarde si j'ai la deuxième. Ah oui, donc en fait, elle m'a dit qu'elle n'avait pas les chaussures, je comprends pourquoi, parce que... Oula. Parce que il lui en manque une, mais elle m'a quand même donné la paire de chaussures qu'il manquait. Ensuite, alors je pensais pas qu'elle allait le mettre dans le paquet, mais je lui ai acheté une petite jupe blanche. Voilà. Donc je la mets aussi sans coller. Mais en vrai, elle est trop gentille parce que cette paire de guêtres, donc elle n'avait pas réussi à trouver la deuxième. Donc en fait, je me suis trompée. Elle avait une sur deux. Et donc, elle me l'a quand même donnée. Voilà, elle est super gentille, franchement. Ensuite, le casque. Donc, il manque l'espèce de téléphone, mais ça, c'est pas grave. Ouais, il est vraiment super beau. Donc, moi, je voulais vraiment l'outfit de la Akemi, parce que la Pulip Akemi, je la trouve pas belle du tout. Je sais que majoritairement, les gens l'ont, mais moi, c'est vraiment pas une Pulip... que je trouve belle, donc chacun ses goûts, mais je respecte ceux qui l'aiment. Enfin voilà, donc le téléphone n'est pas accroché au bout. Alors ça c'est ce que je surkiffe pour Dia, c'est des chaussettes hautes. Ok, elle est tombée. Rose bleu rayé, vraiment c'est parfait pour le ferriquet. La petite écharpe super fine, voilà. Ceci, alors je sais pas comment ça se met. Je sais pas comment ça se paie. Ça se paie, on adore le français. Donc en fait c'est une jupe, mais j'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Non? Bah comment ça se met? Je sais pas. En fait c'est une jupe, mais il y a ça au dessus. Donc en fait je sais pas comment ça se met. Je vais trouver. Ensuite la petite robe qui est vraiment super belle. Oh franchement j'adore l'outfit de la Akemi. C'était vraiment un des outfits que je voulais pour mes dolls. Donc c'est parfait pour Dia. Hop. C'est la partie la plus belle de l'outfit je pense. En fait c'est le haut. Donc voilà. Je vais hop basculer la caméra. Voilà, donc voilà pour cet échange. Donc la jupe, je pensais pas qu'elle allait la mettre, mais comme je lui ai acheté, elle l'a mis dans le paquet. Donc voilà pour tout, c'est un petit peu le bazar. Et on voit la paire de ciseaux qui est en dessous. Enfin, on voit pas trop. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer ma vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir de voir que ma chaîne, elle augmente petit à petit. J'adore ma communauté, donc vraiment merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!